Bonjour à tous et bienvenue sur cette première vidéo Orthoédition. Je suis Quentin Vassy, le gérant d'Orthoédition depuis un an et demi et j'accueille pour cette première vidéo Léa Tejman, l'autrice de Pierre Feuille Mémoire, son premier jeu. Bonjour Léa. Bonjour Quentin, bonjour tout le monde. Bon Léa, comment t'es venue l'idée de ce jeu ? Alors l'idée de ce jeu, il m'a été inspirée par mon grand-père qui s'appelle Pierre, d'où le nom du jeu. Donc j'étais très proche de mon grand-père et en fait il a eu la maladie d'Alzheimer, donc je m'en suis beaucoup occupée en tant qu'aidante et aussi en tant qu'orthophoniste. Et du coup en fait c'était quelqu'un qui aimait beaucoup dessiner, il avait un grand talent pour le dessin et en fait jusqu'au bout de sa vie il a beaucoup dessiné, encore jusqu'au bout même si c'était des petits griffonnages, mais au final c'est vraiment ce qui est resté, donc ça m'a inspirée pour ce jeu-là. Et du coup, en faisant mes recherches, en plus de ma pratique en cabinet, j'ai vu qu'il y avait eu des études qui avaient été réalisées en fait au Canada, qui montraient que la mémorisation par le dessin aidait grandement à maintenir en fait les capacités langagières chez les patients qui avaient Alzheimer. Donc du coup, je me suis lancée dans l'aventure de Pierre Feuille Mémoire. Dans ta pratique orthophonique, tu l'utilises qu'avec des patients en neurologie ? Alors, essentiellement en neurologie, mais pas que, parce qu'en fait, il s'adresse aussi à des enfants, notamment en début d'apprentissage du langage écrit, parce que ça peut être après des enfants qui sont un petit peu plus avancés en âge, mais qui ont aussi des grosses difficultés en langage écrit, notamment pour la compréhension écrite de phrases ou de mots isolés. Donc, également aussi avec une population plutôt enfantine, ça marche très bien également, et même au niveau mnésique, c'est intéressant également. Ok, c'est très chouette. Est-ce que tu peux nous dire en deux mots ce qui travaille, ce qui stimule, comment tu l'utilises dans ton cabinet ? Oui, tout à fait. Donc du coup, c'est un jeu qui travaille la mémoire, bien évidemment, par le biais du dessin. Donc c'est ça qui en fait un petit peu son côté original. Et surtout, il stimule également le langage, aussi bien oral, langage oral, aussi bien expressif que réceptif. Ok, super. On regarde le matos ? Allez. Alors, est-ce que tu peux nous montrer ce qu'il y a dans cette boîte ? Alors... Donc du coup, c'est une boîte qui est composée déjà d'un bloc de feuilles pour réaliser bien sûr les dessins avec un petit crayon. Et globalement, c'est un jeu qui est composé de différents types de cartes. Vous avez du coup des dessins qu'on appelle des dessins figuratifs sur trois niveaux. Le niveau 1 qui du coup est basé sur simplement des mots isolés à dessiner. Le niveau 2 où il y a du coup une complexité en plus puisqu'on va demander au patient de dessiner une catégorie sémantique. Et le niveau 3, on va demander au patient de dessiner une catégorie sémantique avec contrainte. Donc ça, c'est le premier type de carte. Le deuxième type de carte, ce sont des dessins à reproduire qui ont été pensés assez simples et le composé le plus possible de formes géométriques. Et on va demander dans ce cas-là au patient de le reproduire soit directement en copie ou en reproduction. Et le dernier paquet, du coup, ce sont des dessins non figuratifs où on va tout simplement demander au patient de dessiner donc, des choses qui n'existent pas, principalement à base de formes géométriques, en partant de consignes soit écrites, soit verbales, en fonction des capacités de lecture du patient. Et enfin, vous avez le livret d'intrus où vous avez... À l'intérieur, 20 planches de 6 images. On va demander à chaque fois au patient de retrouver l'intrus sémantique, sachant que dans les 20 pages, il y a des difficultés variables en fonction des planches. Donc, on va vous montrer quelques petits exemples. Et ensuite... Vous allez avoir un livret avec des questions qui vont permettre en fait de stimuler le langage des patients en fonction de leur production, de ce qu'ils ont dessiné. Donc c'est regroupé ici soit par catégorie sémantique, soit vous avez une trame un petit peu plus complète à la fin du livret. Je pense qu'on vous fera une petite présentation avec Quentin après directement. Et enfin, pour les patients qui ont des difficultés en termes de représentation mentale ou d'inhibition au niveau moteur, on a pensé à faire des dessins en format A4 en pointillé pour que le patient ne soit pas en échec et que du coup il puisse accéder ensuite aux questions du jeu. Est-ce que ça peut servir aussi aux orthophonistes qui ne savent pas dessiner ? Pourquoi pas ? En tout cas, ça peut être un bon début, une bonne base. On fait un exemple, hein ? Allez, c'est parti. J'aimerais que tu me dessines... un moyen de transport, okay. S'il te plaît. Si vous regardez la vidéo, je vous demande un peu de tolérance.
Je précise pendant que Quentin dessine que le lexique a quand même été pensé pour être assez facile et accessible à tous. Pas mal du tout. T'as trouvé? Est-ce que tu peux me dire ce que tu as dessiné? Je pense que j'ai trouvé. C'est une trottinette. Ok. On est à Paris pour la vidéo, donc je me suis dit faire une trottinette, ça avait du sens. Est-ce que tu pourrais nous épeler le mot trottinette à l'envers, par exemple? Ouais, je peux tenter. E, T, T, E, N, I, T, T, O, R, T. Ok, parfait. Est-ce que du coup maintenant tu peux nous l'écrire directement sur la feuille, s'il te plaît? Est-ce que tu pourrais nous dire comment se déplace ce moyen de transport? Eh ben, ça se déplace avec des roues sur la route. Je ne sais pas si c'est ça la Ok, question. en roulant? Ouais, Ouais, c'est ça se bon. déplace en roulant. Ok, donc tu m'as dit qu'il y avait deux roues. Est-ce que tu connais d'autres véhicules qui peuvent avoir le même nombre de roues qu'une trottinette? C'est une bonne question. Comme ça, je pense au vélo, la moto. Ok. Tu m'as parlé de vélo. Est-ce que tu sais comment s'appelle un vélo où nous sommes deux à pédaler dessus? Oui, un tandem. Ok, super. Ok, et toutes ces questions, Léa, est-ce que tu les inventes? Alors, je les invente au fur et à mesure parce que je m'adapte au dessin du patient, bien sûr. On va vous faire un deuxième petit exemple avec des dessins figuratifs du coup de niveau 1. Et je vais demander à Quentin s'il veut bien de me dessiner une fleur. Je pense qu'une fleur, ça va peut-être être un peu difficile. D'accord, alors du coup, pour t'aider, ce que je peux te proposer, c'est éventuellement le dessin en pointillé qui correspond. Il est là. Donc comme vous pouvez le voir, on a aussi mis des flèches pour indiquer le sens du tracé pour que le patient ne se sente pas perdu. Donc soit vous pouvez recopier à côté comme Quentin est en train de le faire, enfin du moins inviter votre patient à le faire. Ou vous pouvez demander à votre patient directement de repasser sur les traits en pointillés, sachant que ce livret est disponible du coup sur votre espace client Orthoédition. Ok, super. Impeccable. Est-ce que tu pourrais écrire, s'il te plaît, Quentin, ce que tu as dessiné? Une fleur. Parfait. Est-ce que tu as une fleur préférée? La tulipe, j'adore les La tulipe, tulipes. c'est ma fleur préférée à moi aussi, ça tombe bien. C'est pratique. Est-ce que tu pourrais me dire les couleurs, par exemple, d'une tulipe, parce qu'il y en a plusieurs. Ouais, il me semble qu'une tulipe, ça peut être rouge, jaune, orange. Voilà. Ok. Est-ce que tu connais d'autres sortes de fleurs? Les roses, les hortensias. En évocation de fleurs, les roses, les hortensias, le chèvre, qu'est-ce qu'on peut acheter comme fleurs? Une tournesol, j'adore les tournesols, on en fait de l'huile. Des tournesols, Des dahlias. des dahlias, t'es forte en fleurs, on aurait dû faire Ouais. l'exemple contraire. Moi, vraiment, je pense que j'ai jamais acheté une fleur de ma vie, j'en ai pas chez Et ben moi. justement, où est-ce qu'on peut acheter des fleurs, dis-nous? Chez le fleuriste? Ouais, nickel. Et quels animaux on peut voir butiner les fleurs? Les abeilles. Ok. Donc voilà, ça vous donne un petit exemple du type de questions qu'on peut poser à partir du mot fleur. Super. On fait un troisième exemple? Je vais te demander de me dessiner, s'il te plaît, un instrument à cordes. Et du coup, on est sur des dessins figuratifs de niveau 3. On a un patient qui est quand même très bon en dessin. Oui, je voulais pas le dire, mais j'ai fait les beaux-arts. Hein. Alors, bon dessin, mais tu vois, on ne sait pas exactement ce que c'est, ça, quand même. Et bah du coup, tu vas nous le dire. C'est une guitare. C'est une guitare. Très bien. Dis-moi, avec quelle partie du corps tu vas jouer de la guitare? Avec les mains. Avec les mains. Ok. Est-ce que c'est un instrument qui est imposant, qui prend de la place? Ouais, un petit peu quand même, hein. Ok. Comment appelle-t-on la personne qui va jouer de cet instrument? Un guitariste. Ok. Est-ce que tu connais différentes sortes de guitares? La guitare classique, la guitare électrique, Mmh. puis voilà. Ok. Est-ce que tu sais en jouer? Pas du tout. Pas du tout. Ouais. Ok. Tu sais jouer du saxophone.
Voilà, c'est bien aussi. Est-ce que tu peux nous dire comment s'appelle le document sur lequel figurent des notes de musique ? Une partition. Très bien. Comment on appellerait un ensemble de musiciens qui vont jouer ensemble ? Un orchestre. C'est reparti. On va vous donner un exemple maintenant de dessin non figuratif. Donc là, il y a des consignes qui sont écrites. Donc ça va demander au patient du coup de la compréhension écrite. Mais on peut aussi le faire à l'oral si le patient n'est pas en capacité de lire. Donc voilà, ça c'est à vous de choisir la modalité en fonction du niveau de votre patient. Quentin, est-ce que tu veux lire ou est-ce que tu... Ben, je veux bien que tu me le lises. Ok. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, me dessiner deux traits verticaux ? Et entre ces deux traits verticaux, tu vas me dessiner un triangle. Donc du coup, sur la plupart des cartes, ça fait aussi intervenir les notions topologiques. Donc c'est assez intéressant, et notamment pour des enfants en début d'apprentissage du langage écrit, ça peut être assez intéressant, cette partie-ci notamment. C'était Pierre Feuille-Mémoire, vous pouvez donc le retrouver chez Ortho Édition à 48€. Je remercie beaucoup Léa de s'être déplacée jusqu'ici pour la vidéo. Et j'en profite pour remercier aussi l'illustratrice Claire Murigneux qui a fait vraiment un travail, je crois, qui t'a remarquable. Beaucoup plu, toi. Ouais, voilà. Vraiment, énormément, ouais. Merci à elle, effectivement. Je vous remercie toutes et tous de l'attention sur ce jeu. Léa, merci beaucoup d'être venue. Un petit mot pour merci finir. Merci à toi, Quentin. Alors, un petit mot pour finir, oui. Déjà, je voudrais aussi remercier Claire Murigneux qui est l'illustratrice du jeu, qui a fait vraiment un travail remarquable sur cette couverture et sur le reste des cartes et des livrets. Et j'en profite aussi pour vous dire que je m'engage personnellement du coup à reverser une partie de mes droits d'auteur à France Alzheimer. Donc sur chaque vente, vous faites en plus une bonne action. Donc voilà. Merci à tous pour votre attention. Au revoir. Au revoir.